La thématique, donc, ce mois-ci, la beauté, ugly, hein? Donc la contrepartie. Et c'est bizarre, puis je ne vais pas damner le pion à notre conférencière, mais on a les thématiques longtemps d'avance, comme un an d'avance. Puis je m'étais dit, ugly, pas facile, tu sais, on va faire venir quelqu'un de laid. Mais, non, mais sans blague, tu sais. Je sais pas, moi, un éclopé, quelque chose. Non, mais, tu sais, puis finalement, tu réalises que c'est comme impossible de parler de la beauté. On est comme sous un genre de drap de rectitude politique. Tu sais, je peux pas dire « toi, t'es laid » ou « ça, c'est laid ». C'est comme « ah non, mais peut-être que ça appartient à quelqu'un ». Puis, dans le fond, tout le monde est beau à l'intérieur. Puis, tu sais, c'est comme, finalement, tu peux jamais en parler, surtout pas sur un stage, là, je veux dire, comme, on peut tous s'entendre que ces meubles-là, là, voyons donc. Là. Et donc, c'est quelque chose qui est facile de discuter entre nous, mais jamais vraiment publiquement. Je parlais avec un vieux routier de la publicité qui a quasiment fondé Cossette et tout ça. Bon, ceux qui le connaissent le reconnaîtront. Puis il me parlait de son ami réalisateur de films très célèbre au Québec. Puis il me disait qu'il avait toujours voulu être ministre du beau. Et je trouvais ça quand même cool, cette idée qu'éventuellement on pourrait avoir au Québec, au Canada, au monde, pourquoi pas, un ministre du beau qui pourrait dire « ah, ça c'est beau, ça c'est laid, ça c'est beau, ça c'est laid ». Tu vois, puis un peu comme améliorer la beauté de notre existence, mais en même temps éliminer la laideur. Et donc, c'est paradoxal parce que de laisser ça à une seule personne, de laisser c'est le fascisme, là, je veux dire, c'est insupportable que de laisser à une personne dicter le beau. Et donc, finalement, sur toutes ces idées un petit peu grandioses, je vous présente, mesdames et messieurs, Laurence Nerbonne. Où es-tu, Laurence? Laurence Nerbonne. Rejoins-moi, très cher. Laurence, elle vient de l'Outaouais, donc ça, c'est un bon point pour elle. Ben, c'est ça, c'est un bon point pour toi, comme pour moi. Elle est artiste, peintre, auteur, compositeur, interprète, puis donc ça faisait comme trop long sur la ligne, fait qu'on a juste mis artiste. C'est une fille que je connais depuis très longtemps, mais avec qui je travaille pour la première fois, donc Laurence, ça va être extraordinaire. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, vos mains d'applaudissements pour Laurence Nerbonne. Ah, le power! Donc, quand j'ai rencontré Francis, à part dans notre terre natale de l'Outaouais, on s'est comme recroisés dans un party, en fait, puis on était bien boostés, puis on s'est dit que j'allais faire une conférence. On n'avait aucune espèce d'idée sur quoi. Après, quelques jours plus tard, moi, je pensais qu'il avait oublié après le party. Tu sais, on est un petit peu avancé. Puis finalement, non, pas du tout. Il me dit qu'il y a un thème pour moi, puis que ça va être super bon. Donc, il me dit, bon, j'ai une bonne idée. Tu vas avoir le thème ugly. Tu vas parler de la laideur. Puis il trouve ça super drôle. Il rit un peu. Moi aussi, je trouve ça super drôle. Puis quelques jours plus tard, je commence vraiment à regretter progressivement mon engagement parce que je réalise, en fait, que c'est vraiment long faire une conférence et que ça a pris tout mon mois. Donc, voilà. Mais rassurez-vous, je suis absolument ravie d'être avec vous et surtout très honorée et surtout très nerveuse. Moi, habituellement, je fais des shows, mais il fait pas mal plus noir. Puis la musique est tellement forte que j'entends pas vraiment ce que je dis. Et puis aussi, je vois pas vraiment les gens devant moi. Donc là, je vous vois très, très, très bien. Alors, comment aborder la laideur? Je me suis penchée là-dessus, en fait, tout le dernier mois. J'ai fait différentes lectures. Mais la première chose que je me suis dite, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est que la laideur pour moi, personnellement? Est-ce que je suis vraiment capable, comme disait Francis, de dire « quelqu'un est laid, quelqu'un est beau ». Je ne vais certainement pas faire aujourd'hui venir les gens dans la salle qu'on trouve laid. Ça ne serait vraiment pas « politically correct ». Est-ce qu'on peut en parler dans notre société actuelle? Pourquoi la beauté, la laideur, est un phénomène qui prend autant de place dans notre société actuelle? Récemment, si vous avez suivi un peu l'actualité, à Tout le monde en parle, par exemple, il y a eu des sorties de différentes femmes concernant la pression relative aux critères de beauté. Vous avez vu sûrement la meilleure amie à Francis, Léa Clermont-Dion, qui était là pour en parler, par exemple. Et puis, son documentaire, qui a été dit non-documentaire aussi, a été assez contesté. Alors, on voit que c'est quand même un sujet chaud dans notre société actuelle. Je pense que ça l'a toujours un peu été.
Puis, il y a des campagnes qui sont récentes aussi, comme la campagne de Dove par rapport aux femmes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pourquoi cette notion de la beauté ou de la laideur, qui n'est pas si concrète, qui n'est pas si facile à expliquer, cause autant de pression? Est-ce que tout le monde souhaite être beau? Est-ce que tout le monde tend à être une belle personne, à être en harmonie avec ses valeurs personnelles? Moi, je crois que oui. Est-ce que la beauté est plus facile à vendre? Oui, ça a été prouvé dans des études marketing. Un produit avec un meilleur emballage, un plus bel emballage, on peut vendre un peu n'importe quoi avec du beau. Mais est-ce que la laideur a encore une importance dans notre société actuelle? Est-ce que la laideur peut être aussi utile pour vendre des produits, par exemple? Là, aujourd'hui, je pourrais vous parler de la laideur de plein de façons parce que, en fait, c'est tellement large. Je pourrais vous parler de la laideur physique, de la laideur psychologique, de la laideur de l'action comme les guerres, par exemple, ou les catastrophes naturelles. Mais puisque c'est un peu trop large puis que ça va être un peu trop plate puis je ne vous donne pas un cours, je suis certainement pas un prof, je vais vous parler de mon travail, ma job de tous les jours, mon travail de création. Donc, je parle un peu de moi quand j'étais tout petite. Moi, j'étais quand même attirée très jeune par la beauté et la laideur. En fait, c'est quand j'ai commencé à peindre des toiles que j'ai vraiment compris que ces deux thèmes-là étaient au cœur même de ma démarche. Pourquoi est-ce qu'on est sensible à la beauté en tant qu'être humain? Pourquoi est-ce qu'on ressent du dégoût ou de la curiosité quand on voit quelque chose de laid, par exemple? Quand on regarde un zombie qui est par terre avec les intestins sortis, par exemple, pourquoi on éprouve une curiosité? Pourquoi on veut quand même le regarder, même si ça nous déplaît, même si ça nous répugne, même si ça nous repousse? Moi, je peux dire que je trouve, par exemple, l'architecture de l'UQAM vraiment laide. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que je peux dire pourquoi? Est-ce que je peux dire parce que l'architecture est brune? Je sais que là, ici, il y a eu un essai de peindre un mur d'une couleur affreuse. C'est ce que Gam m'a dit. Puis, il y a un vert olive qui a été choisi. Alors, à main levée, qui trouve que c'est une couleur vraiment affreuse? C'est pas si pire. Mais c'est ça, tu sais, on voit que ça a été peint, que c'est frais. Mais moi, je sais pas vraiment quoi penser du vert olive. On en a discuté, d'ailleurs, avec Francis et Gab, puis on n'est pas venu à une conclusion. On a dit, c'est laid, mais c'est pas si pire. C'est quand même moins pire que l'UQAM. Donc, en fait, la laideur, ça provoque un sentiment qui n'est pas nécessairement clair. Puis, on ne sait pas non plus pourquoi qu'on n'aime pas ça, le vert olive. Dans le fond, on mange des olives couramment, puis on trouve ça super bon. Mais pourquoi, là, aujourd'hui, on ne tripe vraiment pas à voir ce mur-là? En fait, ce que je sais avec la laideur, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on ne sait pas toujours pourquoi, mais on la ressent. Tadam! Ici, ce matin, on pourrait tous s'entendre sur quelque chose qu'on trouve laid. Mais ce qui est difficile, c'est de dire pourquoi. Prenons par exemple l'exemple de notre chat, Sir Stuffington. Vous l'avez peut-être vu sur les internets. Donc, Sir, je suis à peu près certaine que tout le monde s'entend pour dire que notre petit chat ici est absolument cute. Mais en réalité, est-ce que ce chat-là correspond à nos critères de beauté? Est-ce que ce chat-là, moitié défiguré, parce qu'en fait, si je vous raconte un peu l'histoire, il a été trouvé dans un container, puis t'sais, la face complètement défaite, il a été soigné. Donc, il est un peu la mâchoire, la lèvre, le lèvre du côté gauche, puis il lui manque un œil. Puis il y a d'autres photos avec un petit truc de pirate, c'est vraiment beau, vous irez voir. Donc, en fait, pourquoi on éprouve de l'empathie? Pourquoi, quand j'ai mis l'image, on a tous eu un sens commun de faire « Ah, il est vraiment cute ». Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de notre histoire. Ça dépend de notre notion du beau. C'est pourquoi je vais vous parler de la subjectivité, de la laideur subjective. Pourquoi est-ce qu'on regarde nos albums photos, par exemple, puis on rit toujours de nos coiffures, puis de nos anciens vêtements, puis on est comme « Oh my God, j'étais donc bien laite », par exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a les cheveux crêpés dans la salle? Ou je ne l'ai pas vu? Je suis quand même assez déçue s'il y a personne qui... S'il y a quelqu'un qui a les cheveux crêpés, viens sur stage, on va checker ça. Pourquoi est-ce que dans certaines cultures, par exemple, on trouve ça laid que les gens sapent en mangeant, tandis que dans d'autres, ça devient un signe d'appréciation de la nourriture? Pourquoi est-ce que le modèle parfait de la femme d'une taille est passé d'une taille de 12 des hanches à une taille de 0, puis que maintenant les mannequins, c'est des enfants? Pourquoi,
parce que la beauté est relative aux époques et aux cultures. Mais on a quand même toujours essayé, à travers les époques, de concevoir la beauté comme étant définie par rapport à des modèles relativement stables. Donc, depuis notre tendre enfance, tout ce qu'on nous enseigne, c'est qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est laid. Si on pense, par exemple, aux différentes fables, aux Quasimodo, la Belle et la Bête, les Frankenstein de ce monde, ça fait quand même vraiment longtemps que la laideur est vraiment présente, profondément instaurée dans nos paradigmes sociaux. Mais ce qu'il faut se rappeler, puis pourquoi je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui, c'est que l'inacceptable d'hier peut devenir l'acceptable de demain. Moi, par exemple, j'ai été exposée à la musique classique très tôt. Mes parents n'étaient pas du tout musiciens, ne connaissaient pas du tout la musique. Puis ils se sont dit, j'imagine un beau soir de printemps, on va faire apprendre un instrument très simple à notre enfant, le violon classique. Donc, le violon, c'est probablement l'instrument le plus laid et le plus beau à la fois. Si vous avez des enfants ou si vous avez joué vous-même du violon, vous comprendrez qu'à 3 ans et demi, cet instrument est assez insupportable et ça reste comme ça pendant 10 ans, jusqu'à temps qu'on comprenne comment mettre l'archet sur le violon. Alors oui, c'est terrible à écouter. Donc, j'apprenais souvent des pièces, des longues pièces de musique classique. Et puis, ce qui m'attirait beaucoup quand j'étais jeune, c'était souvent les tensions qu'on retrouvait dans des pièces de musique classique. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, ces tensions-là, parce que théoriquement, je n'avais pas vraiment eu de cours de théorie, mais c'est au fil des années que j'ai compris que ces tensions-là qui me faisaient sentir quelque chose de vraiment fort, de vraiment particulier, c'était des intervalles musicaux qu'on appelait des tritons. Un triton, ce que c'est, simplement, c'est un intervalle musical de 3 tons qui est dissonant. Puis on l'utilise en musique, en fait, pour qu'il soit résolu. Donc, le triton engendre une tension. Ça engendre un mouvement qui mène vers une résolution, donc un genre de soulagement conclusif. Ce qui fait que quand on écoute la musique, on vit une tension, on vit quelque chose et tadam, tout ouvre. Tout est plus profitable dans son ensemble. Donc le triton, dans un court moment, va engendrer une beauté plus grande, une beauté plus générique. Puis le triton, pendant des siècles, quand on pense au Moyen Âge, par exemple, c'était l'exemple parfait de la laideur en musique. Il y a des gens qui se faisaient tuer pour mettre des tritons dans leurs chansons. On l'appelait même « diabolus in musica ». Et puis, à travers le siècle, il y a des psychologues qui ont en fait prouvé que chez l'humain, c'était totalement excitant, ce genre de tension-là. Ça a été utilisé par Bach, par Mozart. Puis si vous voulez savoir concrètement ce que c'est un peu flou pour vous, allez écouter « Purple Lace » de Jimi Hendrix et c'est carrément basé sur le triton. Donc, l'inacceptable d'hier peut devenir l'acceptable d'aujourd'hui. Ce qui est jugé laid ou étrange comme un triton peut contribuer dans l'ensemble à la beauté générale, la beauté de l'ensemble. Tout ça, ça me pousse à vous parler de mon travail. Eh oui, c'est moi. La beauté qui se vend, la laideur qui se vend. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Moi, j'ai fait un bac en animation et recherche culturelle à l'UQAM. Ensuite, j'étais vraiment pas assez contente de ce que ça donnait. Je suis allée au HEC, j'ai fait un DESS en gestion des arts, gestion des organismes culturels. Et puis, je travaillais dans des restaurants pour payer mes études on the side. Puis, j'ai toujours eu vraiment de la difficulté à rester sur les bancs d'école. Ce qui est assez ironique parce que pour moi, j'y suis restée vraiment assez longtemps. Mais j'avais vraiment de la difficulté à me concentrer. J'avais vraiment de la difficulté à trouver ça intéressant. Donc, ce que je faisais le soir en arrivant chez moi, je peignais. Je ne sais pas pourquoi, c'était juste comme ça. J'avais toujours dessiné depuis que j'étais petite. Donc, j'arrivais chez moi et je peignais. J'étais complètement obsédée. Ça arrivait même des fois que je passais des soirées, puis mes amis étaient comme « My God, on peut-tu sortir? On peut-tu faire quelque chose? » Mais non, je peignais tout le temps. J'ai fini par terminer mon HEC, puis le lendemain, je pense vraiment la journée d'après, je voulais absolument me trouver une vraie job. Donc, j'ai appliqué à la Ville de Montréal pour un poste de coordination des loisirs dans le secteur Ville-Marie. Puis je l'ai eu, puis le matin même, j'ai appelé pour dire que je ne rentrerai pas. C'est fou. Ouais, je l'ai eu, la job. Je l'ai eu, yes. Mais c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai su que tout ce que j'avais fait pour lutter contre ma nature d'artiste ou d'artiste entrepreneur, ça ne fonctionnait vraiment pas.
J'avais vraiment de la difficulté à concevoir que j'allais travailler dans un bureau puis que j'allais me faire dire quoi faire, mais pourtant, j'avais essayé de faire des études pendant longtemps pour faire ça. Puis à ce moment-là, j'habitais avec deux colocs à Montréal dans un genre d'appart qu'on était comme trois, on est devenus deux, puis c'était vraiment pas cher, genre de loyer 300 $ par mois, là. Je payais dans ma chambre, puis j'avais vraiment plus de place, donc j'ai tassé mes colocs, puis j'ai pris le salon. Je pense qu'on a tout enlevé. On a enlevé la télé, le divan, puis il y avait des toiles un peu partout. Mes colocs étaient fort sympathiques. Ce sont encore mes amis aujourd'hui. Je suis assez contente. Je me souviens que j'étais allée marcher sur la rue Saint-Paul. J'avais visité toutes les galeries. Et puis, j'avais une idée en tête quand je suis revenue. Je voulais faire des plus grosses toiles que tout ce que j'avais vu. Donc, c'est tout. Je voulais faire les plus grosses toiles possibles. J'étais vraiment obsédée par ça. Donc, j'ai appelé mon père, parce que mes parents sont profs en art, quand je vous parle de lutter contre ma nature profonde. Et puis, je lui ai dit, regarde, donne-moi des pinceaux, aide-moi, on va monter des canevas, puis on va les faire gros, là, on va faire les plus gros canevas possibles. Fait que, bien sûr, il était habitué à ce genre de choses que je lui proposais. OK, je vais t'aider. Donc, il m'a aidé, on a fait des canevas, j'ai commencé à peindre des portraits. J'ai commencé à prendre des photos de mes amis, des gens autour de moi. Sincèrement, j'ai jamais pensé à faire des belles toiles. Quand j'ai commencé, je faisais même des toiles assez trash. J'avais aucune aspiration à exposer dans une galerie particulièrement. J'utilisais souvent des matières telles que de l'huile, ben pas de l'huile d'olive parce qu'on n'avait vraiment pas d'argent, mais de l'huile végétale, de l'argile que j'enduisais en fait mes modèles d'argile, d'huile, j'en mettais partout dans les cheveux. Je voulais les enlaidir. Je voulais qu'ils soient plus animaux, plus sexy, plus humains. Moi, j'avais passé mon enfance dans des musées à voir des choses hyper trash, du Goya, du Bacon. J'avais vu un peu tout ça. Donc, j'avais pas vraiment de critères d'autocensure face au beau et au laid. Je m'intéressais au grandiose, au bizarre, à l'étrange. Donc, j'ai fait à peu près une dizaine d'immenses toiles comme ça, qui étaient à côté un peu partout sur les murs du salon. Et puis, un jour, il y a une de mes amies qui a apporté un portfolio de mes toiles dans une galerie. Donc, la galerie m'appelle quelques jours plus tard et puis ils me demandent si mes toiles sont vernies. Donc, je leur dis, bien sûr, mes toiles sont vernies. Et je cours au magasin aller acheter du vernis. Je reviens chez moi et puis je me dépêche vraiment parce que c'est la même journée puis je sais qu'il va y avoir un représentant de galerie qui va venir. Je suis vraiment excitée, mais vraiment nerveuse. Donc, j'enduis mes toiles de vernis vraiment rapidement. Je pitche du vernis partout. Tout est beau, je suis vraiment contente. Et puis, à ce moment-là, je réalise deux choses. Je réalise que tu peux pas vernir en dedans d'un appartement parce qu'il y a des émanations toxiques et que c'est très dangereux. Et la deuxième chose, c'est que je suis en train de faire mon premier deal de toile, complètement droguée. J'avais vendu, et c'est une histoire vraie, j'avais vendu de la suie, de l'huile, de l'argile qui craque sur des visages. J'avais vendu du lait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des toiles. Aujourd'hui, je suis dans 4 galeries, à Toronto, à Fort Lauderdale, à Québec et à Ottawa. Selon Marx, la possession de l'argent peut substituer la laideur, posséder la qualité de tout acheter, de s'approprier tous les objets. Ma force est tout aussi grande qu'est la force de l'argent. L'argent a donc permis, au fil des siècles, d'acheter la beauté. Je suis laid, mais je peux m'acheter une toile avec une super belle femme, un super bel homme, par exemple. Puis c'est un peu encore comme ça aujourd'hui. C'est encore parfois le cas des clients que moi je rencontre, ou des gens qui font faire leur portrait, par exemple, puis qui ont la possibilité de changer leurs traits, de modifier leur vrai visage pour acheter, en quelque sorte, la beauté qu'ils ne possèdent pas. Maintenant, en quoi la laideur est importante dans mon travail? Moi, je rencontre toujours mes modèles. Je les invite dans mon studio, puis c'est une expérience super importante pour moi dans ma démarche, une expérience super particulière. C'est assez rare aujourd'hui, maintenant, qu'on se retrouve seul à seul, deux personnes inconnues, dans une pièce, sans cellulaire, sans selfie, sans filtre Instagram. C'est un peu ça qui se passe chez moi, et puis les gens se sentent en général assez dénudés.
Souvent, c'est des gens que je connais même pas. Puis qu'est-ce qui est spécial, c'est que dans cette rencontre-là, c'est tout de suite un gros crash vers quelque chose de très, très, très personnel. Il n'y a pas tant de présentation. On a 2 heures, puis tout de suite, on arrive dans le vif du sujet. Lorsque je suis allée à mon premier vernissage à Toronto, c'est la première fois que j'ai rencontré des clients, en fait, qui possédaient mes toiles. Première chose, c'est déjà super impressionnant de savoir que quelqu'un a des toiles de toi chez toi. C'est tellement touchant. Ensuite, ce que j'ai été vraiment surprise de constater, c'est que ces gens-là, souvent, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient l'impression de voir l'âme des modèles, de voir leur côté brut, de voir leur vulnérabilité. Prenons le modèle. Modèle, c'est quelqu'un qui a une perception esthétique de lui-même. Ça peut être une fille qui est avec son chum depuis 10 ans, puis son chum lui dit plus qu'elle est belle, ou ça peut être complètement le contraire, quelqu'un qui est super bien dans sa peau. Donc, le modèle a une perception de lui-même, qui est construite par les gens qui l'entourent. Moi, ensuite, quand je reçois le modèle chez moi, je pose un nouveau regard dessus, donc ma perception, la perception de l'artiste. Et ensuite, le client, lui, achète la perception de l'artiste sur le modèle. Donc, qu'est-ce qu'il achète? Il achète ma perception à moi, celle que je ne connais pas vraiment le modèle. Je n'ai pas de paradigme social sur sa beauté ou sur sa laideur. Je n'ai pas de jugement. Donc, l'acheteur, lui, achète ma perception à moi. Donc, il y a autant de perceptions de beauté qu'il y a de gens, donc de clients. Donc, la laideur vend. Moi, dans mon travail, je m'inspire de l'underground de Montréal, des gens de ma génération, carrément. Puis, je m'intéresse souvent aussi aux emblèmes, aux héros. Mais pas des héros parfaits, là, comme Superman. Mais Superman, je ne sais pas s'il est parfait. Mais en tout cas, moi, je m'intéresse aux héros inversés, aux héros qui sont un peu délabrés. J'ai fait une série qui s'appelle « Monroe is Dead », qui est en fait la suite de Marilyn, mais une Marilyn qui est un peu plus contemporaine, qui a des nouvelles valeurs, qui a des nouveaux critères de beauté. Je crucifie les anciens critères de beauté. Je m'intéresse à la laideur de l'Amérique. Je m'intéresse au rêve américain, le glauque et le rude du rêve américain. Comment c'est beau et grand et fabuleux et comment c'est si laid en même temps. Donc, j'ai toujours eu un peu une attirance pour des beautés dépravées, un peu comme le faisait Warhol, par exemple. Souvent, mes modèles sont des êtres complexes. Je travaille leur complexité, leur gêne, leurs sentiments, leurs défauts, leurs vulnérabilités, leurs faiblesses. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui les rend beaux. C'est par ça que je mets mon regard sur eux. Est-ce que je suis capable de rendre leur laideur belle? Est-ce que je suis capable de cristalliser des instants, comme le faisait une de mes inspirations, Diane Arbus? Diane Arbus, en fait, c'était une photographe qui réunissait les deux. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle célébrait la beauté du vivant, mais derrière la laideur la plus commune ou la laideur la plus extraordinaire. En fait, elle prenait souvent en photo des êtres difformes, des nains, des femmes à barbe, des géants. Elle allait dans les cirques pour recruter ses modèles. Mais elle faisait toujours ça avec des yeux extrêmement respectueux, des yeux adorateurs, des yeux même parfois amoureux, passionnels. Puis ce que ça faisait en fait, c'était que Diane Arbus était une vraie portraitrice de l'âme. Aujourd'hui, on peut dire qu'un même individu peut apprécier autant le laid et le beau. On cohabite maintenant avec ces deux modèles opposés, puis l'opposition beau-laid a pas mal moins de valeur qu'avant. Comme disait tantôt Francis, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que quelque chose est absolument laid ou absolument beau? Donc, le laid et le beau ont moins de valeur esthétique. Avant, on était très partagé en deux. Il y avait le paradis puis il y avait l'enfer. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Quand on arrive en art contemporain, par exemple, puis on va devant une toile, on ne dit pas « cette toile-là est belle », on dit « cette toile-là est intéressante, cette œuvre-là me touche, cette œuvre-là me brusque, cette œuvre-là me permet de réfléchir, me pousse à réfléchir ». Même chose en mode, par exemple, où est-ce qu'on s'intéresse à des tenues intrigantes, bizarroïdes, voire laides, qui sont en fait de plus en plus populaires. Donc moi, je vous dis, si la laideur d'aujourd'hui était la révolution de demain, le goût a toujours été en retard sur l'apparition du nouveau. Mesdames, messieurs, dans vos vies, dans vos entreprises, soyez scandaleux. On a dit que Picasso était fou.
On a dit que les compositions de Bach étaient dépourvues de beauté et de clarté. On a dit que Paul Cézanne n'était pas un vrai peintre. On a dit que Madame Bovary était un roman enterré sous une montagne de détails superflus. On a dit que Proust était une perte de temps. Ouvrez votre inconscient. Enlevez vos freins inhibitoires. Pensez à une toile de Dali ou laissez-vous envahir par une toile de Magritte qui vous renverse les sens. Intéressez-vous au sublime, aux orages, à une mer en tempête, à des glaciers, des abysses. Passez du temps devant une toile de ruines de Marc Séguin. Profitez du vide, profitez de l'obscurité. Soyez curieux, ouvrez-vous à ce qui vous touche, ouvrez-vous au lait. Vous pourriez vous ouvrir sur la plus belle chose de demain. Ugly is the new black. Merci beaucoup.